Actuellement, je travaille sur le thème Chine-Afrique, donc dont l'intitulé exact de mon sujet de thèse est L'Afrique centrale face à l'essor de la pénétration chinoise, le cas du Gabon, de 1974 à nos jours. Et je suis rattaché au laboratoire des centres des mondes modernes et contemporains de l'Université Bordeaux-Montaigne, précisément à l'école doctorale. J'ai entrepris de faire cette thèse d'abord pour connaître la nature exacte des relations entre la Chine et le Gabon, et surtout pour savoir quelle attitude du Gabon face à cette progression rapide. Parce qu'on a souvent lu et entendu que la Chine a rapidement progressé sur le continent africain, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai entrepris de faire cette thèse, pour comprendre d'abord le mécanisme, comment la Chine a fait pour progresser aussi rapidement sur le continent africain de manière générale, et particulièrement au Gabon, et surtout pour comprendre l'attitude de l'Afrique et particulièrement du Gabon. Concernant les motivations, la principale motivation est liée au fait que j'aime d'abord la recherche, notamment en tant qu'historien, fouiller dans le passé, interroger des sources, fouiller dans des dépôts d'archives. J'ai décidé de poursuivre en doctorat pour deux principales raisons. La première est liée à mon projet professionnel qui, dans un futur proche, est de devenir enseignant-chercheur et intégrer le ministère des Affaires étrangères. Et deuxièmement, parce que je suis passionné tout particulièrement par la recherche. En tant que doctorant, plus précisément en tant qu'historien doctorant, ce qui me plaît le plus, c'est d'interroger les sources, faire des dépôts d'archives, parce que c'est durant ce moment qu'on se rend compte que la connaissance n'est pas loin, qu'elle est à portée de main. Pour la poursuite de mon doctorat, je suis financé par le gouvernement gabonais, par le truchement de l'Agence nationale des bourses du Gabon, dont le partenaire ici en France est Campus France. Il s'agit d'une bourse du gouvernement gabonais, une bourse de type classique que l'État octroie chaque année aux meilleurs étudiants qui ont un minimum de 15 de moyenne, classe et soutenance de thèse. Au regard des formations dispensées ici, du corps enseignant dévoué, et aussi une école doctorale à côté de ces étudiants, on ne peut qu'entrevoir un avenir radieux. Parce qu'au sortir de là, on sera bien formé et apte à pouvoir exercer les différentes fonctions, les différents métiers que nous aurons choisis. Pour mon cas, par exemple, je vais être, comme je disais plus haut, intégré au ministère des Affaires étrangères et être enseignant-chercheur au Gabon.